Pour la première fois en 20 ans, le célèbre festival de la mode Chima a lieu ailleurs qu'au Niger. Le festival attire des experts venus du monde entier pour découvrir la mode africaine. Je suis très heureuse d'en apprendre davantage sur la culture africaine. C'est toujours quelque chose sur quoi je veux en savoir plus. Je suis très heureuse de voir comment ils utilisent la couleur par rapport à d'autres endroits comme Paris, New York et Milan. Venir ici, c'est comme découvrir un tout nouveau monde de différentes palettes, de textures et de tout le reste. C'est la ville de Dakhla, située dans le sud-ouest du Maroc, qui accueille en 2018 l'événement. Dakhla est une petite ville côtière qui compte une population d'un peu plus de 110 000 personnes. Les habitants vivent principalement des industries de la pêche et du tourisme. La vaste côte en fait une destination de plage attrayante et une plaque tournante majeure pour les surfeurs du monde entier. Le sable blanc est la principale attraction touristique de Dakhla. C'est une falaise sablonneuse qui mène à un immense lac qui se trouve au beau milieu du désert. White Sand est l'endroit idéal pour les amateurs de surf et de safari dans le désert. La ville elle-même est aussi célèbre pour ses petits bazars qui vendent des costumes et des accessoires traditionnels marocains et africains. Je pense que le matériau est parfait. Les dessins ont l'air si créatifs et parfaits. Celui-ci est une très bonne pièce. Outre le défilé de mode, le FIMA a invité plusieurs artistes internationaux à venir présenter leurs talents et à venir travailler à Dakhla. Plus de 50 artistes du monde entier sont venus à cette exposition. Il y a des peintures, des sculptures, des accessoires, des vêtements et des broderies, tout cela réuni au même endroit. Le talentueux artiste de rue portugais Opar est l'une des expositions qui a le plus attiré l'attention. Opar vit à Paris mais s'intéresse également à la culture africaine. Alors au FIMA, je n'ai pas rencontré d'artistes urbains, mais j'ai rencontré des artistes qui exposent à la galerie juste à côté. Et on a eu un super échange et j'ai l'impression qu'ils apprécient mon travail. Et moi, j'apprécie le leur parce que du coup, ce n'est pas du tout le même style de travail et c'est une autre culture. La culture et l'héritage du continent africain ont inspiré de nombreuses œuvres d'art international qui y sont exposées. C'est un reflet de la beauté de la ville de Dakhla et du continent africain.